Bonjour, aujourd'hui je viens vous faire un petit tuto d'une enveloppe de chez Action que je vais commencer à décorer. Et puis je me suis dit, pourquoi pas faire un petit tuto. Voilà. Alors hier j'ai fait du comment? J'ai fait de la texture sur fond de carte. J'ai mis la texture de chez Action. Pour reboucher les trous, vous savez, hein, voilà. Et j'ai mis une couleur rouge et ça nous fait un rouge orangé, rouge, ouais, rouge saumoné, voilà. Moi j'adore, j'aime beaucoup. Et je me suis dit pourquoi pas faire le filmer et puis voilà. Alors j'avais des die-cuts comme ça, je ne sais pas si ça s'appelle des die-cuts, des trucs en 3D, que j'ai eu dans mon concours. Alors, je n'ai plus souvenir, je pense que c'est d'AliSJ, mais je sais plus. Alors, il faut que je regarde mes vidéos, mais je m'en excuse si ce n'est pas d'Ali. Et voilà, en tout cas, je l'ai eu pour mon concours et ça me... Je vous ai dit que j'utilisais tout ce que vous m'avez mis pour mon concours, j'allais l'utiliser. Alors voilà, j'ai pris bah voilà, ceux-là. Vous voyez, j'ai pris les livres à la personne que je vais l'envoyer, ça va aller très bien. Et voilà. Alors j'ai pris une enveloppe parce que moi je le fais sur une enveloppe. Voilà, parce que je vais mettre mon petit mot à l'intérieur et je vais décorer. Au lieu de faire une carte, je vais faire l'enveloppe. Voilà. Alors, on décore toujours des cartes. Pourquoi? Alors, je me suis dit, on va décorer une enveloppe. Voilà. Alors, j'ai coupé à la hauteur de l'enveloppe. Alors, j'ai fait la coupe de 13 et sur 6. 13 sur 6 de large. Comme là, j'ai un trait parce qu'avec le pochoir de chez Action, ça faisait pas chevaucher comme il faut. Et ben, je me suis dit, je vais vous pencher. Je vais mettre un ruban pour cacher la misère. Alors, je vais le mettre comme ça parce qu'après, je fais mon nœud parce que je vais mettre ça en 3D. Voilà. Alors, j'ai rien préparé, je suis voilà, je suis comme ça. Je ne prépare rien. Pour aller plus vite, je vais prendre les adhésifs 3D, mais les plus gros de chez Action. Je veux pas que ma vidéo fasse 4 heures. Ah, peut-être pas, ils sont peut-être un peu trop gros ceux-là. Non, ça fait trop gros pour ce que je veux faire. Mais c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Et j'ai un rouleau de chez Action. Ben, je vais prendre comme ça. Voilà. Alors, je vais mettre. Ils sont trop gros les autres. Vous voyez, ils font. Non, pas ça. Ils font. Oh bah ben, alors, c'est où que je les ai mis. Là. Vous voyez, ils font quand même. Je sais pas combien ils font d'épaisseur, mais ils font bien 1 cm. Hein, regardez. Bien 1 cm. Alors, je change de comptine. En tout cas, je vous dis bonjour parce que la fille, je ne sais même pas si j'ai dit bonjour. Voilà, aujourd'hui, j'avais envie de créer parce que je me suis dit, Maria, il faut bien que. Commence à bouger un petit peu plus ta main. Alors, je me suis dit, on va le faire des petites choses toutes doucement. Alors, ah, c'est ça le plus dur pour moi, c'est d'enlever. Hop. Alors, j'ai décidé de mettre comme ça et de mettre, c'est bien celui-là qu'il faut mettre, oui, et de mettre celui-là par-dessus, comme ça. Ouais, je vais mettre là, hop, comme ça.
Je ne sais pas, il y a une chaîne qui dit qu'elle fait un défi. Je ne sais plus laquelle c'est, parce que je regarde beaucoup, beaucoup de chaînes et je ne retiens pas les noms, mais je laisse jamais. C'est rare que je laisse des commentaires, mais je vous suis, quoi. Et je me suis dit, ben, je vais le faire. Et puis, comment? Si ça marche pas trop mal, et ben, je la mettrai sur ma chaîne YouTube. Et puis faire un petit clin d'œil, je le mettrai sur le titre de chez qui j'ai vu, la vidéo. Alors, le double face épais comme ça en 3D, j'aime bien. Mais le double face pour, comment dire, pour coller bah, les feuilles et tout, il n'est pas top de chez bon, après, on ne peut pas faire de chez Monsieur A. De chez Action, exactement. Parce que après, je ne sais pas si on a le droit de le dire ou pas dire, moi. Après, je ne me rappelle plus de ce que les filles elles disent ou elles disent pas. Mais en tout cas, j'ai pas encore eu de quoi que ce soit sur mon téléphone pour ne pas dire les noms. Alors du coup, je le dis. On va mettre celui-là. C'est pas évident parce qu'avec ma main que je peux pas la mettre trop à plat. C'est pas évident du tout. Mais bon, après, je me débrouille. J'essaye de faire de mon mieux. Je vais couper un petit peu là parce que je trouve qu'il est un peu trop. Voilà. Alors, celle qui trouve que c'est long, avancez un petit peu, c'est pas un souci, hein, quand on fait les choses. En tout cas, je remercie la personne qui m'a envoyé les die cuts là, parce que je le trouve, mais alors, c'est trop, trop, trop joli, très shabby, très. Voilà. Alors, je pense que là, alors il y a le petit cœur à mettre aussi. Je prends les petits de chez Action. C'est pas évident. En plus, je tremble. Je tremble parce que je veux bien faire et comme ma main est comme ça. Mais bon, après, je me dis. Allez, continue, hein, c'est rien, hein, c'est. Il n'y a pas mort d'homme, hein, ça se remettra bien un jour. Hein. J'espère. Alors, demain, je vais aller à l'hôpital pour marquer mon rendez-vous pour mon IRM, parce qu'il faut se déplacer. Quand il y a un IRM à faire, il faut présenter l'ordonnance à l'hôpital. Comme dans un radiologue, c'est pareil. Alors moi, j'ai décidé d'aller à l'hôpital. Ça va être le mieux. Bon. Je vois pas pourquoi, mais bon, ils l'ont mis. Hein. On va le mettre. Hein. Et j'ai le fond de mes petits cœurs. J'ai coupé des petits papillons dans les coins. Regardez, vous voyez, j'ai coupé des petits papillons avec ma perforatrice comme ça. Chez Action. J'en avais pas, puis l'autre jour il y en avait une. J'ai dit, attends, je vais me la prendre. Et les petits papillons, et eh ben je vais me les mettre là. Alors, là je vais faire mon petit nœud. C'est simple, hein, mais voilà. Moi j'aime bien les choses pas trop. J'aime bien que ça soit fourni. Mais pas trop. Regardez, ça fait tout chouette le nœud là, qui se rubique. J'aime beaucoup. Peut-être
Peut-être un peu trop long, non? Mais bon. Hop. On va couper là. Hop. Par contre, ça, je vais essayer de passer en dessous la petite carte. Hop, comme ça. Alors, je vais faire. Ah, j'ai pas mis la colle chaude, mais c'est pas grave, je mets pas la colle chaude. Je vais mettre. Je vais mettre celle-là. J'aime beaucoup cette colle. En plus, elle fait glossy en même temps. C'est Chanel Scrap qui nous a donné un petit peu l'astuce. Un petit peu, beaucoup même. Elle a essayé et puis elle a trouvé que c'était pas mal. Et moi, j'ai essayé sur une carte. Je vais vous montrer sur un truc en 3D. Alors, je vais... Là, j'ai essayé. Je me sers de colle. Hein. Je vais le mettre là, tiens. Qui sort du livre. Moi, j'utilise en général toutes mes découpes de perforatrice. En général, je les découpe et je les mets dans mes créas, c'est rare que même les petits cœurs. Voilà. Je ne les jette pas. Écoutez, moi, je ne veux pas mettre. Peut-être je vais mettre une ou deux perles que, de ci par là. Je vais mettre peut-être une perle là, sur la rose. Je vais essayer de trouver. Vous savez, les petites roses de chez Action. Alors, sont avec mes perles. Alors, voilà mon truc à... Vous savez, ces petites roses-là. Mais j'ai que des rouges et des blanches, non? J'ai pas des roses en petit comme ça. Ouais, j'ai que des rouges et des blanches. Les roses, elles sont trop grosses, vous voyez, par rapport à... Ouais, ça fait trop gros. Alors, je vais mettre une blanche. C'est pas grave. Je vais mettre une blanche. Voilà. Alors, je vais la décoller. Hop. Hop. Voilà. Au fur et à mesure, je range. Je sais, je suis un peu mal organisée, mais moi, j'aime pas quand tout est... Après, il y a des jours, je vais bien m'organiser. D'autres jours, je vais pas bien m'organiser. Mais c'est pas grave. Hein, c'est comme ça. C'est la vie. Faut pas se prendre la tête. Regardez. Voilà. Mon enveloppe est décorée. J'espère que ça vous a plu. Et... Je pense avoir tenu mon challenge ou mon défi. Je ne sais pas comment la fille, la dame, elle a expliqué. Je dis la fille, mais je suis un peu vulgaire. Je ne veux pas me... Voilà, la dame, la scrapeuse. Parce que je ne me rappelle plus qui c'est qui a proposé de faire une carte en 3D. Et voilà, moi en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup faire ces patouilles avec les pochoirs. J'aime beaucoup. Je me suis lancée là et je trouve que c'est un beau challenge pour moi. Voilà, je vous montre de plus près. De ce, je vous souhaite une bonne journée de lundi et à très 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 vite. Bisous, bisous.